Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Contentius, et je me sens complètement con aujourd'hui. Bon, il y en a qui me diront que je le suis déjà de base. Non, je vais vous expliquer le problème, chers abonnés. Donc, je vais aussitôt lancer la bataille, hein, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Des singes, des pécores et des ennemis, voilà. Donc, je n'ai pas pu tourner l'épisode ces derniers temps, et je me suis rendu compte d'un truc complètement con, c'est que, quand je tournais sur Fraps, j'avais le son et l'image. Quand je tournais sur Overwolf, trop tôt, donc ça veut dire quand je n'avais pas l'image, j'avais le son. Et quand j'ai tourné l'image, devinez quoi, je n'avais pas le son. Et donc j'étais en train de rager devant Overwolf, parce que ce petit salopard, enfin excuse-moi, pauvre petit logiciel que tu es, eh ben je pensais que ce logiciel, s'il m'avait dit « fuck you, je bug ». Non, non et non, puisque le truc est complètement con. C'est parce que pour que je puisse tourner une vidéo sur cet ordi, il me faut un adaptateur. Et l'adaptateur, comme on le sait tous, doit être branché au truc du... Enfin, ils doivent être branchés, quoi, à côté du machin, Oh, putain. Oh, mon Dieu. Oh, oh là là, les mecs. Oh là. Ouh. Excusez-moi, ça, c'est le jeu qui est en train de laguer. Oh. Oh, c'est même pire que ça, tu vas me dire. Et là, ce qui s'est passé, chers abonnés, et que je me suis senti le dernier des connards, mais à un stade niveau 1000, c'est qu'en fait... Et eh ben, vous voyez, quand je parle de l'adaptateur, et eh ben, l'adaptateur était débranché de 5 mm. 5 mm, il était débranché. Et je n'avais pas eu de son. Alors là, faut vraiment qu'on explique comment c'est possible. Bon, allez. Je vais dire que j'ai été incompétent sur ce coup-là, mais quand même, c'est dégueulasse. Donc je n'ai pas eu le son de cet épisode-là. Et j'ai pas voulu tourner un épisode de Kaiser Reich sans son. Du Kaiser Reich sans son. Non, mais vous me prenez pour qui, bande de salauds? Non mais bon, alors par contre je peux vous dire que mon niveau de stupidité est supérieur à celui du QI moyen des Marines américains en Afghanistan actuellement. Ça veut dire très bas. Et oui bon, ça va, allez, vous pouvez foutre de ma gueule maintenant. Oh Nelson, non, pas toi Nelson, je t'en prie, non, c'est déjà suffisamment humiliant comme ça. Bon, peu de sérieux, revenons maintenant à cette lutte où nous étions coincés à Arène Hall, encerclés par des singes qui ne veulent pas se rendre. Enfin, on a tué leur chef de faction qui était un petit con qui arrêtait pas de téter le sein de sa mère à... Allez, 14 ans, ça à partir de maintenant, c'est pas normal du tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ben, je continue de tester le mode Falcom 3, qui est donc un mode conquête du monde sur Medieval 2. Et le mode bug. C'est, en fait, si vous voulez, je prends un exemple. J'ai voulu éliminer le Danemark, parce que j'ai conquis la Suède, et quand elle... Oui, parce qu'en fait, mon empire, il domine la moitié de l'Europe, hein. Je vous emmerde. J'ai conquis la moitié de l'Europe avec la... attendez, vous faites quoi, là? C'est quoi cette... D'accord, hein, on n'a rien dit. Attends, les mecs, vous avez vu, ils sont arrivés quand même, ils m'ont vu, ils ont fait « Bonjour, on fait que passer !» Ça va, ils se mettent à côté de la frontière. Est-ce qui m'a rendu suffisamment con? Ça, déjà, on va pas s'entendre entre nous, hein. Putain, regardez comment ça lag, sérieux. Eh ben, ce qui m'a rendu complètement con, et en fait, ce qui m'a dégoûté même, c'est que j'ai voulu annexer le Danemark. Donc j'ai pris leur capitale, parce qu'ils avaient qu'une ville sur Medieval 2, et le jeu crash. J'ai fait pareil avec le Portugal, le jeu crash. Et en fait, pour que j'ai pu conquérir la moitié de l'Europe, par exemple, j'ai éliminé le Saint-Empire. Mais quand j'ai éliminé le Saint-Empire, c'était du bol. C'est parce que le Saint-Empire, ils n'avaient plus rien. Je leur avais niqué leur arbre généalogique, ils sont tous morts. Mais non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, tu puisses pas conquérir une faction, c'est comme si moi sur Kaiser Reich je pouvais annexer personne. Bah attends, on a eu ce coup là avec l'Italie communiste. Oui, donc il y en a qui se demandent où est le Kaiser Reich, ça arrive bientôt. C'est juste pour expliquer le problème. En fait, voyez-vous, je joue. Donc j'ai. Actuellement, je me suis arrêté, j'avais libéré. J'avais libéré l'Angleterre. Enfin, on s'est arrêté à la chute de l'Angleterre justement. Et je venais d'avoir un event qui me disait qu'est-ce qu'on fait de l'Angleterre. Et donc. Dans le jeu, j'ai eu plusieurs choix. Donc, je devais rétablir un gouvernement militaire. Donc, c'était le maréchal Montgomery. Vous vous souvenez, le mec qu'on a affronté au Maroc? Bah, c'était lui, tiens. Et ce petit salopard est donc devenu leader de l'Angleterre. Allez savoir comment, mais ce mec, c'est le maréchal Pétain, en fait. Hein, c'est... J'ai rien d'autre à ajouter, votre honneur. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Espagnol s'est barré de mon alliance. Vous allez me dire, c'est un bug, c'est du scénar. Non, c'est un bug. Mais oui, Jamy, c'est un bug. Le jeu est mal foutu. Enfin, Kaiser Reich a un bug. C'est à parfois des nations qui se barrent de ton alliance. La dernière fois que ça m'a fait un truc pareil, je jouais sur Darkest Tower avec l'Union Soviétique. Et tous mes alliés se sont barrés du Comintern. Pourquoi? Eh ben, en fait, je pense avoir compris pourquoi.
C'est parce que, je viens de repenser à l'instant, c'est que j'avais de la belligérance au niveau 1000. Ça veut dire mes propres alliés me considèrent comme un danger public. C'est dégueulasse ça par contre, on va pas se mentir. Vous vous rendez compte, je suis considéré comme un danger public par mes propres alliés, ça c'est... Mais c'est dégueulasse les mecs, faut pas me faire... Oh là là là, les salauds quoi, ils ont rien trouvé de mieux que de me charger dans le tas avec leur cavalerie toute pétée là du Moyen-Âge. Enfin de toute façon on est au Moyen-Âge, la bonne blague. Allez les crossbones, man, on les descend. Yeah man, on descend les ennemis. Non, ça c'était un doigt, je voulais faire le signe du Rasta, j'ai fait un doigt. Imaginez un Rasta qui fait un doigt d'honneur en voulant être gentil. Vous allez pas me dire que vous arrivez pas à tuer des soldats quand même. Bon là je suis obligé de rusher cette bataille. Regardez comment c'est... Eh regardez ça, on a déjà mis la moitié de leur armée en déroute. Mais c'est bon les mecs. Ah putain, c'est donc ça l'armée des Arines. Mais y a rien dans votre armée. Regardez-les là, les... je suis en train de foncer. Regardez, il y a déjà la moitié armée qui vient de se barrer. C'est du gland n'importe quoi. Eh dis Marlou, c'est du gland n'importe quoi. Bon, excusez-moi, c'était un accent complètement raciste. N'est-ce pas? C'est... On préférait le n'est-ce pas? Au moins là, c'était pas raciste du tout. Monsieur Le Pen, avec vos mémoires... Ah bah d'ailleurs, vous... Alors, je ne vous l'ai pas dit, et je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens. Je lis Charlie Hebdo, pourquoi? Parce que Charlie Hebdo, ils font des blagues horribles, mais je ne sais pas pourquoi je parviens à trouver leurs blagues drôles. C'est pas savoir quand je parviens à trouver drôle des blagues sur un enfant syrien qui est mort noyé. Non, excusez-moi, ça c'est... Ça va être retiré au montage, ça par contre. Mais c'est incroyable, Charlie Hebdo, en fait, ils font des blagues horribles, mais tu sais pas quoi, t'es en mode, oh mais c'est horrible, mais t'es en mode, c'est trop drôle, je comprends pas pourquoi il y a des cons qui aient tué les dessinateurs de Charlie, c'est drôle, c'est juste que les mecs qui ont fait les fusillades, ils avaient pas d'humour. Sinon, vous allez réussir à le tuer peut-être, le mec, hein? Le mec, genre le mec, attends, c'est un bodyguard? Ah oui, on a perdu combien de pourcents notre armée au passage, les mecs? 71% quand même, ça fait très mal, mais... vous savez, 71%, on n'est plus à ça près, là. Ah non, c'est l'ennemi qui avait 71%. Non, si j'ai perdu 71% de l'armée, là, je peux me sentir con. Allez, butez leur général! Non! Comment vous avez pu le louper? Il y avait une chance sur 1000 de le tuer! Dites-moi qu'il est là. Il y avait une chance sur 1000 qui meurt. Et c'était le général Valaris. Pourquoi il avait un... Ah non, c'était des knights, c'était des chevaliers, pardon, avec un accent britannique complètement stupide, enfin anglais. Et, ben, non, Charlie Hebdo, c'est drôle. Ils ont fait des blagues sur ils ont fait des blagues sur le livre de Jean-Marie Le Pen, la fils de la nation. Oui, est-ce que je vais raconter des petites anecdotes? Bon, c'est pas sur la meilleure personne au monde, mais bon, excusez-moi, en fonction des points de vue. Eh ben, Jean-Marie Le Pen était pupille de la nation. Oui, il y en a qui vont me dire. Ça veut dire quoi? Pupille de la nation, je tiens à rappeler que ça veut dire que, il a perdu ses parents. Bon, en fait, dans les années 40, durant la Deuxième Guerre, il a perdu son père. Là, vous allez me dire, mais comment il a fait? Enfin, comment ça s'est passé, en fait? Ben, son père qui était pêcheur, oui, parce qu'il est de Breton, je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler. Enfin, je pense, c'est pas... Oui, bon, bref, passons les détails. Et son père qui était pêcheur est mort, parce que son bateau a fait boum sur une mine. Ça, c'est malchance absolue. Tu es en bateau, et tu tombes sur une mine, et t'es mort. Simplement, c'est malheureusement une fin tragique, très tragique même, parce que, bah d'ailleurs un autre truc que je me souviens avoir entendu dans une interview il n'y a pas longtemps, c'est quand il parlait de, est-ce que vous allez être présent au congrès du Front National? Bah je sais pas n'est-ce pas, ma propre fille m'envoie chier alors je sais pas quoi faire n'est-ce pas. Moi j'aurais répondu c'est la mer noire. Tu sais le mec farzin, toujours dans le retour de la mer noire. Putain mais j'ai des révoltes au mètre carré, mais c'est quoi c'est... Putain mais c'est un singerie international là, c'est pas possible. Oui bon, là par contre si ça se révolte, je vous annonce, j'exécute tout le monde. je les aurais prévenus, faut pas se soulever contre moi, mais non. Pas de révolte, c'est bon, les singes ont compris la leçon, ils ont compris qui était en vrai maître. Merde, ils m'ont attaqué, qu'est-ce que t'as dans ton armée? Ouais bon, là par contre avec mes haches, je fais pas trop le poids, hein. Je vais me faire hacher menu, mais à part ça, oui. Et donc il aurait même voulu être résistant, mais j'ai lu qu'un célèbre résistant local, breton, lui a dit « Attends, ta mère a déjà perdu ton père, alors tu crois vraiment qu'elle voudrait perdre son fils ?» Traduction, il aurait pu lui dire « Non mais gamin, t'es pas fait pour la résistance. » C'est ironique d'entendre ces anecdotes de l'histoire. Les Tullis sont morts ? Attendez un instant. Ah, les mecs rouges là-bas, d'accord. Tu sais, le mec complètement con. Mais attends, je pensais pendant un instant que c'était les Tyrells, je me disais, mais... Attends, mais les Tyrells, ils sont tous morts. Attends, les Tyrells, ils sont 6 pieds sous terre maintenant, c'est... C'est pas possible que j'ai pu...
Bon, attendez, on va. Ouais, on va emmener tout ça dans cette armée-là. Non! Oh, allez, les gens qui sont pas contents, hein, ça m'énerve là! Je sais même pas si je vais finir cette campagne avec un état psychologique. Avec le même état psychologique qu'Hitler dans la chute, parce qu'attendez, toutes les 30 secondes, il y a les gens qui pètent un câble, quoi. C'est ça va! Ça va, je peux régner à la rigueur! Est-ce que je peux me faire mes réformes? Porter au peuple de la nourriture, tout ça, je sais pas. Bon, ben, ça, je vais vous démobiliser parce que ça ne servait pas à grand chose. Les 9 soldats là, bah, je vais devoir vous démobiliser aussi. Pas de bol, les mecs. Bah, il y a déjà 2 familles qui sont éteintes dans ce jeu. Ça fait pas beaucoup quand même. Ah non, 3, il y a les Targaryens qui sont morts aussi. Oui, hein, les fans de la série, et ben, elle est morte. Oui, Dany est morte. Ils ont tué le Dany. Ah non, c'est pas la bonne série, pardon. Allez. C'est musique Game of Thrones que j'ai dans les oreilles. Oh putain, le salaud, il me bloque. Non mais ça va, je peux bouger à la rigueur ou non? Bon, on va... De toute façon, ils sont niqués, ils peuvent passer. Par contre, les Greyjoy, tu m'attaques, vous êtes morts. Attendez, attendez. J'ai peut-être pas dit que j'allais tuer tout le monde, mais bon. Hein, je suis capable d'encore d'éliminer les nations. Ah, ça fait bizarre quand tu joues à Medieval 2, parce que... Bon, je crois que j'avais déjà expliqué dans une vidéo, Medieval 2, c'était pas mon Total War préféré, parce que il est pas simple du tout. Non, parce que... J'ai ragé hier en jouant à Medieval 2 avec la France, parce que je déteste... Mais alors, je déteste les nations du désert. C'est une manière de dire les nations arabes sur ce jeu. Vous allez me dire pourquoi es-tu aussi hostile? Non, je vais vous expliquer le problème. C'est que les nations de Medieval 2, quand c'est des nations de type turc, mamelouk, enfin les égyptiens, quoi, vous m'avez compris, c'est du cheat. Parce que je m'explique, les mecs, tu m'expliques comment les gars, ils ont 50 unités de soldats à cheval et que leurs mecs, là, ils me descendent une unité entière. C'est limite, mes mecs, ils font un pas, ils sont déjà morts. C'est pas possible. Mais si, c'est... Oh, toi, là, ramène pas, parce que j'ai pas envie de t'enterrer vivant. Ah, parce que vous m'aimiez? Non. Non, mais c'est vraiment dégueulasse sur le... C'est vraiment dégueulasse, ces soldats-là, j'ai perdu une bataille parce que ils m'ont niqué toute mon armée. Et j'ai gagné une bataille, j'avais perdu 75% de mes hommes, l'ennemi, 96% des survivants. Enfin... Des soldats. D'ailleurs, sur le jeu, ce qui est bien, c'est que tu peux tuer ou épargner les survivants. Alors, je vais pas vous mentir que j'ai tendance à exécuter mes prisonniers. Oui, ok, en convention des droits de l'homme. On est au Moyen-Âge, donc au Moyen-Âge, on sait même pas ce que ça veut dire, droit de l'homme. De toute façon, on sait juste, on disait juste droit de l'homme, même pas droit des femmes à l'époque. C'est un scandale. Donc, voilà, les survivants turcs, allez, bim, le grand Atatürk, là, je sais pas ce qu'il va dire, mais je crois qu'il a perdu tout son peuple. Bon, après, j'en suis au siège d'Ankara avec une armée 100% d'archers. Bah oui, parce que vous pensez que je fais comment quand j'ai une armée que d'archers, face à des armées de cavalerie qui tirent? Bah j'ai que des archers, voyez-vous. Et les archers, c'est bien efficace, parce que les mecs, genre, tirent 50 milliards de flèches. Ah là, bizarrement, il n'y a plus rien en face, hein, c'est... Ouais, je les ai tous tués. Et c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mouvement terminé. On va pouvoir assiéger Bloody Gate. Ah, un autre seigneur du Val. Jon Royce. Royce. Et vous savez, ce qui est dingue sur Game of Thrones, c'est qu'il y a des personnages, je ne me souviens même plus, qui s'appelaient comme ça. Enfin, je sais même pas qu'il y avait des personnages qui s'appelaient comme ça. C'est bien, vous êtes tranquille, hein, c'est très bien. Ils ont bien compris la leçon de pas me faire chier. Bon, de toute façon, là, il reste plus que 2 nations à éliminer. Ah, non, là, par contre, c'est pas compris au sujet de faire la guerre, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah non, là, c'est la guerre, mec. Si tu oses m'attaquer, c'est la guerre. Et moi, je vais me faire un plaisir de massacrer ton peuple. Attends, attends. Et attends, là, comment c'était de son nom, Merde, comment... Oh là là, mais comment je parviens à oublier ce nom de l'un des personnages les plus importants de la série, quoi. Alors, mec, je pense que mon armée à côté de toi saurait peut-être te rappeler une leçon. Alors, qui on a? On a Lancel Lannister, Tommen le Moche, héritier de faction. Tu sais, le mec qui a aucun respect. Je suis Tommen le Moche. Ouh, oh, c'est humiliant. Alors là, Castle Rock, on sait pas. Lannisport, encore moins. Par contre, je trouve ça un peu con. Lannisport, c'est pas très Lannister. Enfin, c'est trop Lannister. C'est le mec. Ah non, mais j'aime pas, c'est trop Lannister. Ouais, enfin bref. Guerre. Ah, parce qu'on est en guerre. Ah, parce que tu m'as déclaré la guerre. Attends, je crois qu'il m'a attaqué une flotte. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors... Non seulement tu crois pas déjà qu'on est dans la mer tous les deux, alors en plus t'as trouvé logique de venir me faire chier à domicile. Très bien. C'est moi, je commence à quoi? Vous êtes vraiment en plus d'être consanguin, vous êtes con. Oui, je sais, cette blague, je devais arrêter. Dégagez de mon chemin, vous. Dégage.
Tu sais, le mec méga vénère. Laissez-moi avancer, bordel de merde. Allez, je vais essayer de petite merde de Bloody Gate, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre ville? Ouais, bon, tu me diras, cavalerie du Rohan contre soldats d'élite. Oui, qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour m'avoir fait chier à ce point-là? Enfin, non, je pensais que c'était encore un espion, mais non. Faut que j'arrête des paranoïaques, c'est pas des espions. Château des dragons, oh là là, si au moins il y avait des dragons, il y a pas de dragons, c'est de l'arnaque. Comme une nation, il y a pas de une ville qui s'appelle Dragon Stone Castle où il y a même pas de dragons. Non mais allô quoi. Non mais allô quoi les mecs, c'est pour dire de la merde, il fallait pas venir ici. Eh. Mais bon, sur Medieval 2, c'est quand même bien, mais les archers à cheval, je peux vous dire si vous jouez à Medieval 2, alors je sais pas comment le grand Cid Giron fait pour survivre à des archers à cheval, mais mec, je crois que tu es devenu un dieu vivant. Bon allez, je vais attaquer ces singes-là. Lancel Lannister. Allez, qu'est-ce que tu as dans ton armée? Pour qu'on rie. Ouais, singe. Ça va, c'est moi ou vous avez des armées de merde, les gars? Les mecs, c'est pas vraiment une bonne idée d'avoir des armées pourries, mais bon, allez, on y va. Maelys Mertin, 3 étoiles contre un général, 1 étoile. Déjà, on sent l'équilibre. C'est l'ennemi, il m'attaque pas avec une armée pourrie, il m'attaque avec des généraux pourris. Bon, après, tu me diras... Ouais. Et sinon le mode mais le mode Falcon, s'il n'y avait pas le bug du crash oui, parce que parfois il y a des crashs, hein, je l'ai pas dit non, les gens vous crashent pas dessus, mais le jeu crash de temps en temps de manière aléatoire. C'est parfois il crash parce que ben t'as tué un chef de faction. Non, les Danois je peux pas les tuer parce que leur chef de faction est immortel. C'est le mec, c'est un Terminator, c'est le mec, c'est tu touches au futur, il te dit Marty, il faut remonter dans le passé. Mais j'ai pas envie de ah ta. C'est complètement ça en fait les. Ça fonctionnait sur Medieval 2. Oh oui, nice. Et bon, bref, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, et c'est. J'ai vivement que je fasse une série là-dessus. Mais si je ne parviens même pas à conquérir les nations que je veux, c'est dégueulasse. Parce que c'est comme si Skyger Eye, je pouvais pas attaquer l'Allemagne. D'ailleurs, j'ai switché rapidement l'allemand, voir ce qu'il a en armée. Oui, ça va, hein, ça va les remarques de me dire que c'est du cheat. Non. Alors, l'allemand, et je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais en fait, la nation. Les Allemands, quand on leur fera la guerre, ce sera très simple. Pour faire simple. Toutes les armées que vous voyez en France dans la série, c'est des garnisons. C'est des mecs qui sont payés pour garder les populations locales. Et en fait, je crois que eh ben, l'IA, d'habitude, l'IA allemande... L'IA, oh. Non. Bon. Petite chanson allemande qui était sur Darkest Tower. Et en fait, le truc qui est dégueulasse, c'est que faut que les Allemands prennent Paris s'ils veulent créer un gouvernement fantoche, hein, une sorte de France pétiniste. Mais vu que là... Mais dis donc, Jamy, puisque les Allemands, ils ont pas libéré Paris, ça fait que le jeu, il bug. Exactement, Fred. Voilà, vous avez compris le truc. Eh ben, tout simplement que l'Allemagne est condamnée à occuper des territoires qui ne lui appartiennent pas. Oh, oh non, oh le con. Alors, surtout... Alors, les enfants, ne faites jamais comme Coric, comme avait dit le copain de The Nitram lorsqu'on avait tourné cette vidéo sur... Ah oui, sur Unicraft, là, je crois que c'était où on se faisait une guerre sur des boules géantes. Ah, c'était le bon temps, je voudrais tellement le refaire, mais Minecraft bug, donc je ne peux pas en faire. LOL, génial, comme si c'était déjà pas assez chiant comme ça. Ah oui, c'est vrai, vous buguez aussi, hein. Et les mecs, j'ai une idée, les mecs, si on faisait bugger la nation dès qu'ils cliquent sur leurs unités, LOL. Je vous demande, vous allez encore tenter de me tuer. Non mais les mecs, faut peut-être arrêter là quand même de vouloir me tuer, d'accord qu'on est ennemis, mais là bon, ça commence à tourner à exagération. Mais non, mais je suis assez content de ma campagne, je suis même pas au 12e siècle, je suis même pas au 13e siècle, j'ai déjà conquis la moitié de l'Europe. Éliminé le Saint-Empire, d'ailleurs, j'ai pas fait les croisades, hein, la France, d'ailleurs je me suis fait excommunier par le pape, oui c'est vraiment que je suis là. On disait à l'époque la France est la fille aînée de l'église. Oh mec, quand tu vois tellement cette campagne, c'est tellement pas ça du tout. Oh non. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Empire m'a déclaré la guerre. Là, d'accord. Et sur Medieval 2, ce qui est normal, c'est que le pape, quand tu te fais attaquer, il prend ta défense. Là, oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que le pape m'a engueulé parce que je me suis défendu. Mais c'est quoi ce petit ça? Mais c'est quoi ce... Mais l'église catholique, elle est corrompue, les mecs, c'est pas possible. Une église, c'est la corruption spontanée, là, c'est pas possible, faut faire quelque chose. Non, faut destituer le pape, quelque chose du genre, mais pas mettre un pape... Parce que bon, le pape, il était même pas du Saint-Empire, il me faisait chier. Attendez, le mec, je me défends, il me menace de m'excommunier. C'est quoi la logique? C'est comme si la Corée du Sud se défendait à la Corée du Nord et qu'on l'engueulait. Bon, pour l'instant, la Corée du Nord est plutôt sympathique. Comme dit Kanklou, il remonte le moral de l'armée nord-coréenne à coup de AK-47. C'est une manière ou une autre de remonter le moral de son armée.
enfin de ses de son équipe olympique. Ça m'a tellement fait rire quand quand je repense qu'en Corée du Nord ils n'ont aucune médaille. Ah les mecs, vous allez tellement vous sentir, vous allez tellement voir la réforme du grand Kim Jong-un à coup de Kalachnikov. Ah là là. Alors là maintenant, il faut qu'on envoie notre armée. Parce que je pense qu'on a des soldats qui sont pas payés à rien faire. Des soldats de la CGT? Mais ça n'existe pas, voyons. Est-ce que j'ai dit que c'était impossible? Ah oui. Mais bon, par contre, les mecs, quand on se bat, il y a un truc qui s'appelle courir. Parce que bon, excusez-moi, moi j'embauche pas des soldats pour qu'ils courent pas. J'ai l'impression d'être très bizarre cette série, non? Pas vous? Charge de mon général, surprise! Eh bah dis donc, attends, le mec s'est pris une charge, il est déjà mort. Enfin, pas mort, on a mis en déroute ses hommes. Sur le général ennemi! Ah oui, Shavana, pourquoi je raconte? Ah! Unité bug! Jeanne, au secours! Mon unité bug! Allez, mon général! Allez, mon petit! Tue-les tous! Oh, allez, c'est le retour de l'IA qui vient me faire chier parce que mon général est en train de se faire des soldats ennemis. Mais bon, là par contre, mais c'est incroyable, je dois appuyer deux fois sur pause pour que ça fonctionne. Le principe d'une pause, ça fonctionne tout de suite. Et merde, là, si je perds mon général, Maëlys Mertin qui peut pas mourir maintenant quand même. Bon, par contre, barre-toi. Et sur Medieval 2, j'ai perdu une bataille, mais mon général était devenu con. C'est le mec, il est encerclé par des soldats, ils veulent le buter. J'ai une idée, je vais me mettre à marcher, tiens. Non! Quand des gars veulent te tuer, il faut courir. Je vois pas l'intérêt. Quand t'es au milieu d'une fusillade aux États-Unis, tu vas pas faire. Excusez-moi un instant, je fais que passer. Hein. Non, tu cours pour ta vie! Parce que c'est tout ce qui te reste à faire! Et mon général n'était pas capable de le faire, donc résultat, il est mort comme une merde! Ah non, mais bon. Bon, allez, vous me le butez, lui! Non, est-ce que bon, mais Lannister, je veux tous les voir mourir. Tuez-les tous, tu reconnaîtras les siens! Les chiens ou les siens? Ok, ok, ça c'était nul. Et j'ai une unité, elle est en train de perdre des hommes. Bon, par contre, si mes archers de singes, mes singes d'archers se mettent à tirer sur mes hommes, attends, les mecs, c'est. J'ai une idée, chef, et si on tirait sur nos hommes? Bonne idée, bonne idée, les gars. Dis donc, Jamy, pourquoi nos archers sont des merdes? Eh ben, je vais t'expliquer, Fred, parce qu'on est au Moyen-Âge, donc mes soldats ne savent pas tirer à l'arc. Et c'est des merdes, tout simplement. Tatin. T'imagines le mec qui réutilise ses passoires, c'est pour juste ça. Bon, par contre, là qu'on n'ait pas réussi à tuer les Lannister, quand même, faut le faire. Hein. Lannister, c'est la famille la plus simple à descendre. Comment ça, les Lannister, c'est une espèce. C'est comme les Holstein et les Limousins, c'est qu'il y a des Lannister à viande, des Lannister à aller. D'où tu sors cette blague? Je ne sais pas, elle est sortie des très fonds de l'enfer. Retourne-y alors. Mais j'ai rien fait. Si, t'as fait une blague de merde. Bon, allez, là, vous me les tuez tous. Par contre, il y a un truc qui est chiant sur Medieval 2, c'est que. Enfin, je trouve que c'est un peu drôle le principe, c'est que quand tu as un soldat qui meurt, et ben il meurt pas directement. L'unité, ben, par exemple, si je perdais un cavalier en cette unité-là, sur Medieval 2, et ben ça n'indiquerait pas 21 soldats tout de suite. C'est que tu vas avoir un moment où l'unité va passer en rouge et dire, voilà, on a perdu un soldat. Bon, tu me diras, si c'était ça durant la Première Guerre mondiale, et durant 1940, ça n'étonne même pas qu'on s'est fait envahir. Vous imaginez, les mecs? Chef, on est encore tous là. Ah, non, il y a Franz qui est mort. Il y a François qui est mort, il y a Ernest qui est mort, et il y a Henri qui est mort. Et sinon, il y a qui d'autre qui est mort? Moi, chef. Quoi? Je me suis pris une balle perdue. Oh, le con. D'ailleurs, ce que je trouvais ironique sur Kaiserreich, c'est que l'Angleterre était devenue mon état fantoche, et que mon leader, enfin, que le leader de l'Angleterre communiste, enfin, du nouveau gouvernement britannique, c'était le maréchal Montgomery. Ça me faisait tellement penser, je me disais, ah bah, au final, j'aurais quand même eu ma France vichiste. pourquoi je rigole, c'est pas drôle. Ah non, 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 non. Pas droit d'auteur, hein, s'il vous plaît, hein, j'ai déjà eu les droits d'auteur. Allez, déjà, une armée Lannister en moins, hein. Allez, les Lannister, c'est comme des hamsters, ça meurt. Lol, 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 lol. Bon, excusez-moi, je suis défoulé, mais en même temps, ça fait un moment que j'ai pas pu tourner. Et bon. Ouais. Donc, oui, ce sera dans une ou deux semaines, vous aurez bientôt votre petite série sur Kaiserreich avec l'Allemagne, pas nazie. Mais attendez, c'est nul! Bah non, excuse-moi, il y a déjà trop de gens qui ont joué l'Allemagne nazie, enfin l'Allemagne fasciste. Bah attends, il y a Léviat 40 qui a fait une super série avec l'Allemagne, moi j'ai pas envie de. En fait, ce qui est. Il y a certaines fac campagnes, comme par exemple Léviat avec l'Allemagne, je n'ai pas envie de refaire ces campagnes parce que je trouve que ce serait déshonorer le youtubeur de refaire les.
What? Y a un knight. Y a un chevalier dans sa pauvre unité, le mec. Je suis un singe. Oui, tu es un singe. Oh. Non, c'est quoi l'armée? Bon, allez, je vais attendre, de toute façon, s'ils m'attaquent. C'est bien parce qu'on est en train de démonter leurs armées pacifiquement. Enfin, pas pacifiquement, Oh non. Oh, ils ont créé une route. Ils ont une route qui traverse pas les montagnes. Non, mais bon, si vous faites le tunnel sous la manche, on va pas s'entendre. Allez, là, il y a 50 000 milliards de diplomates. Les arènes, vous voulez la paix? Ah non, visiblement, l'armée, ça voulait dire pas du tout la paix. Attends, vous êtes entré en guerre contre les Lannister, vous voulez la paix? Acceptez ou nous attaquerons. Je refuse! Doran Clegane, go to fuck yourself! J'aurais dû peut-être prendre leur menace à la... pas à la légère. Un knight songal et on y retourne, allez! Le retour des singes! Le retour des... ben des singes qui pètent tout, quoi. Plus, c'est quand même... ce qui est le problème de Rome, c'est que quoi que tu fasses, eh ben les villes, elles parviennent à péter un câble. Ça, c'est pas normal. Les gens... excusez-moi, mais je trouve logique que les gens pètent un câble. Ça, d'accord, ça, on est bien d'accord. Mais que les gens pètent un câble pour rien, c'est du foutage de gueule. C'est les gens, ils peuvent pas s'en... c'est comme si les gens, s'ils pouvaient pas se mettre en colère, ils allaient mourir. Ils se disaient, faut que je trouve un moyen de péter un câble, il faut que je fasse une grève. Je ne peux pas m'en empêcher. Je sais pas ce que... ouais. Alors là, c'est qui? C'est Lancel qui est de retour? C'est Kevan. Ah, c'est le vieux. Attends, c'est le chef des Lannister ou c'est juste un général? Ah non, bah, il est où le chef des Lannister? Faut pas me dire qu'il est pas là s'il est là. Mais oui, c'est clair, ça a encore plus de sens, Coric. Alors, il y a quoi dans leur armée? Là, il y a les restes. Là, c'est les restes, tout simplement, de notre armée. Bon, c'est bien fait niquer, je dois dire. Oui, ça, c'est vrai. Bon, bah, allez, ben, je propose qu'on attaque. Attaque! Ah oui, je perds! Contre 712 singes! Ah oui, oui, bon, là, d'accord, je comprends que je peux possiblement perdre. Mais bon, tu regardes mon armée, là, honnêtement, on va s'arrêter là, et je pense que je tournerai un épisode à la suite, peut-être. Parce que quand je peux enfin tourner, et surtout faire ce maudit épisode sur Kaiserreich. Alors, les archers, c'est combien? 30... alors, 30 d'argent pour 7 archers. Et les paysans, ils vous sont payés combien? 12 paysans payés 20. Ah, mais attendez, là, si je fais les calculs. 8 chevaliers payés 64. Mais c'est quoi ce bordel? Les mecs, c'est pas normal tout ça. Ouais, donc là, ils ont des restes. Là, ils ont des moitiés restes. C'est les restes que t'as pas mangé ce midi, bah c'est ça. Simplement. Et les 16 Bannermen sont payés combien? 84. Attends, eux, ils sont payés 3. Hein, attends. Excusez-moi. T'as les Bannermen, ils sont payés 320 pour 40 gars. Et le petit chevalier sur son petit dada, là, il est payé que... putain, et les chevaliers, faudrait créer un syndicat, là, c'est pas normal. Non, cadence infernale. Vous savez, nous, les chevaliers, on est souvent envoyés au champ de bataille. Et on a tendance à mourir un peu trop sur le champ de bataille. Donc nous, on en a marre. Syndicat, syndicat. Syndicat de quoi? Syndicat des chevaliers. Motherfucker. Bon, attendez, on va faire un petit tour sur la carte. Mais mais vivement, je pense que je ferai bientôt une vidéo de présentation sur un mode sur Medieval 2 parce que bon, je sais pas, c'est intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez des arines en armée avec tout ce que je vous ai... Non, c'est un lac au centre. Je vois une tache bleue au milieu de mon territoire. Ah, ça fait tache. La mer, c'est pas une mer, c'est un lac. Que dis-je, c'est un lac, c'est une péninsule. Voilà, apprenez la culture, sans moi, bien évidemment. Alors donc... si je prends les Bloody Gate, donc les portes sanglantes. Déjà de 1, ça va. On passe ensuite sur les Eyry, ça va aussi. Ensuite, on n'a plus qu'à marcher vers Baelish Keep. Et ensuite, faut trouver la route, d'accord, on va faire débarquer en fait pour faire la peau de Gulltown. À mon point qu'on ait tué tout le monde, mais ça m'étonnerait. Sinon, là-haut, il n'y a rien de nouveau, à part que les Stark qui se font la guerre avec les mecs en bas, enfin avec les... je sais pas qui. Et sinon, la guerre de nuit, ils font quoi? C'est John. Bah non, il est passé où, John? John! Au secours! John, où es-tu passé? Alors là, on a les marcheurs blancs, donc... bonjour, je me présente, je suis le capitaine White. Bonjour, je suis le diplomate Baristan Blacklight. Bah attends, t'es pas un marcheur blanc? Bah non, pourquoi? Je trouve ça tellement illogique, les marcheurs blancs alliés. Les mecs, vous avez tenté de nous tuer! Bah oui, alors, bah on peut être alliés, ok. D'ailleurs, je vais vérifier rapidement combien de tours... ah bah non, je peux pas vérifier. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah, c'est une armée Bolton? Ah, c'est Ricky Shark Airstack, le retour. Bon, ça était là, donc j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode, chers abonnés. Et excusez-moi mon comportement actuellement, c'est juste que je suis excité de tourner. Et que cette série commence légèrement à me casser les nerfs.
parce que j'ai bien envie de la terminer, parce que je vois qu'elle ne plaît pas beaucoup. En même temps, j'ai pris la pire faction. Si je prenais les Stark ou les Lannister ou même Daenerys du Typhon, c'est bien du Typhon. Tu sais, le mec, je suis Daenerys du Typhon. Ah, vous êtes plombière? Ah, oh, chef, c'était nul. Bon, bah, à la prochaine. Bye.